Là, c'est Interville International, présenté par Cécile de Minibus. Lui, c'est Seb, le producteur, qui m'a demandé de piéger Cécile. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que je la connais depuis 5 ans. Là, on va piéger le producteur, on va lui faire croire que je vais faire des filles à la con et que je l'ai foutu dans l'eau. Et on va essayer de rendre le producteur complètement mal. Sébastien! Mais qu'est-ce que t'as foutu, putain, sans déconner? C'est qui ce connard de Gontran, là? Tu sais quoi, vous avez tous vous f... Je vous avais demandé de pas me jeter à l'eau! Je suis malade comme un chien! Ce connard de Gontran! Je me casse, putain, vous êtes vraiment des cons! Ça fait 10 jours que je travaille, 18 heures par jour, sans déconner! Fous-moi la paix, laisse-moi tranquille! Deux minutes plus tard, je reçois un texto du producteur. On a un super truc. Non mais attends, on a un super truc. Attends, c'était énorme. On aurait dû se la raconter, quoi. Qu'est-ce qui s'appelle? Raconte-moi. Elle raconte pas, elle a pas allé dans l'eau. On piège les gens de manière sympathique, ça ne pose pas de problème. Mais qu'on la mette dans l'eau alors qu'elle n'a pas allé dans l'eau, c'est gênant. Je ne sais pas qui tu es, sans déconner, t'es qu'un connard. T'arrêtes pas de dire à tout le monde que tu me connais, on s'est jamais vu, d'accord? Et ça, en plus, il paraît que c'est ton idée, Sébastien. De faire des caméras ou des machins, il paraît que c'est ton idée. Ça fait 10 jours, Sébastien, que je te dis ne me jetez pas à l'eau, j'ai des problèmes. En plus, je suis malade comme un chien aujourd'hui. Il n'a jamais été question de te jeter à l'eau, jamais. Ah ouais? Jamais. Mais attends, c'est bon, c'est pas la peine de se la raconter. Mais c'est pas la peine de se la raconter grave, mais pour qui tu te prends, toi? C'est bon, c'est juste une je petite. Veux plus vous non, voir. Mais c'est une blague. J'ai appelé un taxi. Ni toi, je ne veux plus. Non, mais voir. C'est une blague. Vous démerdez. Non, vous vous démerdez avec vos primes. C'est une blague. Allô, allô. C'est pas drôle, tu comprends? Tu comprends que j'ai mal aux oreilles? C'est pas drôle, oui, tes blagues. Drôle, vraiment. On est à 1 heure d'un prime. Tu comprends ça ou pas? Gonzague, s'il te plaît. Attends, Seb, juste un truc. Tout ça, c'était une petite caméra cachée pour tes pieds, ma foule. Yes, voilà ma boule. Voilà ma petite boule. Voilà ma petite boule. Alors que je m'explique, Interville, c'est une grande famille et chaque année, Seb, il me propose de venir faire des caméras cachées sur Interville parce que c'est vraiment des amis, on est en famille. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'avec Cécile, on se connaît depuis des années. On est super potes. On a fait des conneries et tout, donc on s'est dit, on va le piéger, on va faire semblant de faire un piège qui tourne mal. Voilà, donc en tout cas, on peut voir Cécile à partir de samedi sur Gulli pour Interville. C'est énorme, il faut encourager tous les Français et tout, ça va être magique. C'est devenu ma passion, je... Blablabla, 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 blablabla.